Mon Dieu, cette musique. Mon Dieu, cette bande-son. Vraiment une intro du feu de Dieu, là. Il n'y a rien à dire. En même temps, avec cette musique de Terminator, ça ne pouvait être que exceptionnellement grandiose. Donc bonjour à tous, c'est Hooper. Vous l'avez compris, on se retrouve avec The Terminator sur Mega Drive. Donc l'une des versions basées sur la célèbre licence. Il y a eu plusieurs jeux basés sur Terminator à l'époque, que ce soit le 1 ou le 2. Généralement, c'était soit des bouses innommables, soit des jeux tout juste corrects. On n'a jamais eu vraiment de bons, en tout cas à ma connaissance, il n'existe pas de jeux véritablement bons, en tout cas dignes de ce nom, dignes de cette licence, de cette série extraordinaire que sont les Terminator. Enfin, 1 et 2, Terminator 1 et 2, parce que le troisième est une bouse cosmique, hein. Vous serez d'accord avec moi, je parle du film. Mais le 1 et le 2, surtout le 2, qui était énorme. J'ai eu la chance à l'époque de le voir au Cinoche, pratiquement en fait en même temps, puisque ce jeu-là est sorti, on va peut-être commencer, hein, mais ce jeu-là est sorti en 92, et le film Terminator 2 était sorti fin 91, et j'ai eu la chance de le voir au Cinoche, et ça a été mon plus grand moment dans une salle de cinéma. Terminator 2, c'est resté mon jeu préféré pendant une dizaine d'années, mon film préféré pendant une dizaine d'années. Je regrette presque de l'avoir vu, pour tout vous dire. Parce qu'après tous les films que j'ai pu voir durant la décennie qui a passé Terminator 2 me paraissaient tous, pas tous, mais bon, pour la plupart plutôt fades, inintéressants. Oh putain! Voilà, ça y est, je fais l'handicapé. Et en plus, mais c'est fini! C'est fini! Kyle Reese, Terminated! Je suis terminé! Ah ouais! Parce que ce qui est énorme dans The Terminator sur Genesis, sur Mega Drive, c'est qu'on n'a qu'une vie. Eh ouais, un jeu ultra réaliste, c'est forcément un jeu où on n'a qu'une seule vie. On va recommencer. Ah, j'aurais peut-être dû mettre en easy, mais non, c'est pas grave, on va laisser en normal. De toute façon, la durée de vie, vous allez voir. Peut-être bien que je vais réussir à arriver à la fin du jeu dans cette vidéo. Et pourtant, je vais pas y jouer une heure, hein, je vous garantis. Alors d'abord, il faut récupérer toutes les petites bombes. Donc, le jeu, bien évidemment, on reprend la trame du premier Terminator, hein, je crois qu'il est sorti en 84, si je ne me trompe pas, le premier Terminator dans les salles obscures. Donc là, ça reprend. Donc là, on dirige Kyle Reese, on dirige pas, on est du côté des gentils, donc on dirige pas le... Mais putain! Mais non, là! Mais qu'est-ce que je fous? Tout à l'heure, je me suis entraîné, je suis pas mort une seule fois, et là, je meurs deux fois comme une... Ok, bon, cette fois-ci, je vais me concentrer, on arrête les conneries. Concentration. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, le jeu reprend la trame de Terminator. On dirige Kyle Reese, non pas Terminator, mais Kyle Reese. Peut-être que je vais mettre sur facile, non? Non, j'ai pas envie de mettre sur facile, on va laisser sur normal. À savoir qu'il y a 4 niveaux de difficulté. Même si je n'ai pas encore vu la différence entre le niveau normal, hard et very hard. Peut-être que quelqu'un m'explique un jour, maintenant je vois pas. Là, il faut récupérer ces espèces de bombes, là. Ces détonateurs, vous voyez le récapitulatif en haut, voilà, on peut en avoir 9 maximum. Parce que ça me servira pour la suite du stage pour faire exploser des espèces de portes, des portes de feu, quoi. Donc voilà, donc là je vais essayer de faire gaffe, de pas me faire écraser, parce que comme vous l'avez vu, on n'a qu'une seule vie, c'est hallucinant. En même temps, vu la durée de vie de ce jeu, j'ai envie de dire heureusement qu'on n'a qu'une seule vie. Hein. Je vais vous expliquer en 2 secondes, il y a 4 niveaux. Premier niveau, on est dans le futur, là, donc on dirige Kyle Reese, je vous l'ai dit. On est dans le futur, vous l'avez remarqué. Attention, cette espèce d'avion là qui nous balance des espèces d'obus là, des obus parachutés. Oh putain, attention! Vous voyez ma barre de vie en haut, juste à côté du nombre de détonateurs que j'ai chopé. On a 4 en fait, 4 petites jauges de vie là. Et une fois qu'on a les 4 ne sont plus là, c'est fini. Alors voilà, si j'avais été dans le mode easy, en difficulté easy, ici, il y aurait eu un flingue et j'aurais pu me servir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug? N'importe quoi! Regardez, c'est énorme! Là, vous voyez qu'il y a une porte, ok? Il y a une porte, donc évidemment, je ne peux pas passer. Pour la détruire, je dois utiliser un des détonateurs, une des bombes que j'ai chopées au début du niveau. Regardez. Si je vais là... Non, il vient plus maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, tout à l'heure? Il y en a un qui est arrivé, un ennemi, là, un Terminator. Il n'y en a plus. En fait, alors, vous avez vu, il y a eu une espèce de bug encore. Il y a quelqu'un qui a traversé la porte et qui est venu me chercher. Bon, mais il vient plus, c'est pas grave, allez, on continue. Alors, regardez quand la bombe explose. C'est super mal. Tous les Terminators qui s'envolent. C'est un jeu. Ah bah, ce que je voulais vous dire, c'est que si j'avais été en mode easy, j'aurais pu récupérer un fusil.
une sorte de super MCN de la mort qui tue tout. Et donc ça aurait été beaucoup plus facile de pouvoir détruire tous ces Terminators qui reviennent à l'infini. C'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Il est ultra moyen, hein. Au niveau du gameplay, on fait toujours la même chose. Le gameplay est d'une pauvreté affligeante et en plus il n'évolue pas du tout durant le jeu. Et ça, vous le verrez. Alors, vous voyez que parfois quand on détruit un Terminator, un T-800, il laisse derrière lui une espèce de petite bouteille. Ça sert juste à nous remettre de la vie. Voilà, c'est superbe jeu, non? Voilà ce qu'on va faire durant tout le niveau. Quand je balance des grenades sur les ennemis, parce que je peux pas faire autrement. Et en plus, je suis obligé de me baisser parce que regardez, si je les envoie vers le haut, ça les envoie trop loin. Donc il faut rester comme ça, baisser, les envoyer à la chaîne. Je vais tenter d'aller récupérer le fusil. Donc qui se trouve ici, parce qu'on est en mode normal, qui se trouvera également ici si j'étais en mode hard ou very hard. Et quand on est en mode easy, je vous l'ai dit, on peut le récupérer dès le début du niveau. Sans également qu'on ne peut pas changer d'arme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais ramasser le fusil, je serai obligé de me servir du fusil. J'espère que je n'ai pas crevé. Je fais n'importe quoi, là je suis dans la merde. Regardez ma jauge, il me reste plus beaucoup de vie. Il faudrait qu'un de ces Terminators me laisse une bouteille. Oh putain, je suis dans la merde. C'est bon, vite le fusil. Voilà. Alors là je me fais encore toucher une ou deux fois et je meurs. Vous voyez ma jauge de vie en haut, il me reste presque plus rien. Là, il faut que j'espère qu'un Terminator va me laisser une bouteille. Un truc pour se restaurer de la vie, une espèce de medikit. Mais ça va aller, parce qu'à partir du moment où on a le fusil, même si on est en mode very hard, ça devient assez simple. Vous voyez que regardez, il suffit de tirer pendant quelques secondes et on les explose. Un magnifique gameplay, les mecs, digne du début des jeux vidéo. Espèce d'enfoiré, je t'ai vu. Ah, voilà, on fait une bouteille. Voilà, maintenant je suis un petit peu régénéré, ça va mieux. Donc, premier niveau, là, on se retrouve, donc vous l'avez remarqué, dans le futur. Et donc, on doit atteindre une chose qu'on ne voit pas dans le film. Hein. On doit atteindre la machine à remonter dans le temps pour pouvoir revenir à Los Angeles en 1984 pour protéger Sarah Connor. Je vais pas vous refaire le film. Hein. Si vous n'avez pas vu le film, franchement, c'est une honte. Et je vous interdis de regarder cette vidéo merdique. Mais par contre, je vous oblige à aller, non pas télécharger, hein, bande de petits filous, mais à aller acheter les DVD de Terminator 1 et de Terminator 2. Franchement, il faut absolument regarder ces deux films. Terminator 2 est probablement le plus grand film d'action science-fiction des années 90. Voilà, magnifique. Donc là, j'ai atteint la fameuse machine à voyager dans le temps. Et donc on va être directement propulsé en 1984. Alors vous voyez que parfois on a des petites images digitalisées, ça aussi c'est un bon truc, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'avais trouvé ça, c'est assez étonnant en fait pour de la Mega Drive, qui n'est pas aussi puissante à ce niveau-là, au niveau de la résolution, ce genre de choses sur les différents plans que la Super Nintendo. C'était pas trop étonnant dans la Super Nintendo, on avait déjà vu ça, je vous l'avais montré dans des jeux comme Indiana Jones and the Last Crusade ou les Star Wars, les fameux Super Star Wars. Mais sur la Mega Drive, c'est plus étonnant parce que c'est plus compliqué pour cette console de faire ce genre de choses. Voilà, on se retrouve dans les rues de Los Angeles directement en 84. Et hop, on va aller sur les ponts. Regardez la vitesse à laquelle il monte aux échelles. C'est le Speedy Gonzalez des échelles, là. Attention, il monte plus vite que son nom, le Kyrie. Et là, son animation, par contre, quand il tire, est vraiment excellente. Regardez. Non, elle est... Bon, je vais essayer quand même de passer là. Des espèces d'hélico qui nous balancent des... Les mêmes obus en fait que le premier truc. Ah non, là je voulais montrer une petite animation parce qu'elle est bien foutue. Oh mais putain, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'y arrive pas là? Et vous avez vu cette espèce de bug là? Regardez. Ah ça y est, enfin en fait il est arrivé. Je voulais absolument vous montrer cette petite animation parce que les bonnes choses dans ce jeu sont tellement rares que quand même je vais essayer de vous les montrer. Donc là on a le choix, on peut soit passer. Ouais, on peut soit passer par le haut. C'est pas possible. Oh. Alors, et pourquoi j'arrive pas à sauter? C'est quoi ces conneries? Voilà! On peut soit passer par le haut, là, sur les immeubles, ou par le bas. Là, je suis passé par le haut parce que je trouve que c'est un peu plus facile. Et donc, vous allez voir qu'on va... Voilà, il faut sprinter contre... On a bien sûr un shotgun, comme dans le film. Et il va falloir se sprinter contre les flics. Vous allez voir que les flics, on ne peut pas les tuer. Regardez. En fait, regardez ce qui se passe. Je vais pas rester ici 200 ans parce que c'est quand même un petit peu dangereux. Ah, je vais aller ramasser le medikit. Regardez, on ne peut pas les tuer. L'autre, il a disparu. Il a disparu de droite. Regardez ce qui se passe, voilà, quand on les touche, au bout de 5-6 coups, en fait, ils se... Je sais pas ce qu'ils font, en fait. Ils s'accroupissent, voilà, ils clignotent, ce qui est en fait le signe que l'on peut les passer, parce que sinon, on ne pourrait pas les passer, et on se fait toucher, et on risquerait fortement de crever. Voilà, on atteint la cabine téléphonique.
Et on passe... Ah ben non, non, en fait, le niveau n'est pas fini. On passe à la deuxième partie du niveau. Bref, on ne peut pas tuer les flics, quoi. C'était immoral, c'était amoral à l'époque de tuer les flics. C'est sûr, on n'était pas dans GTA, hein. On est en 92, et les jeux vidéo, c'était pas ce que c'est maintenant. Des flics invincibles. Étonnant. Bah, normalement, ici, on a également des espèces de punks. Des truands, là. Mais là, ils sont pas, je sais pas pourquoi. Attends, voilà, je vais pouvoir un peu mieux vous montrer l'animation. Regardez-moi ça, et franchement, avec son impair. Déjà, quand il court, c'est bien foutu, franchement. Mais avec son impair, quand il braque avec le fusil à pompe, c'est vraiment, vraiment bien fait. Regardez, après, il peut s'accroupir, bien foutu. Bon, juste les sauts qui sont pas extraordinaires, mais corrects quand même, mais pas extraordinaires. Mais franchement, quand il tire, c'est vraiment, vraiment bien fait. Attention, il ne peut pas mourir quand il saute, même de 100 mètres de haut. Hein. Ah voilà, voilà les fameux punks, putain, je vais crever. Attention, oh putain. Je me suis fait prendre un sandwich, je suis dans la merde. Vite, vite, le power up. Le medikit plutôt, voilà, pour nous remettre de la vie. Voilà, des espèces de truands là, qui nous envoient des cocktails molotov, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, on est dans le deuxième niveau, à savoir que dans le jeu, il y a 4 niveaux en tout. Ce qui veut dire que là, on est déjà pratiquement à 50% du jeu. Non, non, vous ne rêvez pas, je vous assure, on est à 50% du jeu. Et donc on va bientôt atteindre, je pense, le bar, comme dans le film, hein. Le jeu reprend vraiment le scénario du film, ça c'est quand même intéressant. L'ambiance est pas trop mal aussi, c'est-à-dire que les couleurs sont assez bien choisies, c'est-à-dire avec un ton plutôt sombre, donc l'ambiance est pas mal. Voilà, vous le voyez là, franchement c'est pas mal, c'est pas trop mal dans le bar, dans la boîte de nuit, comme dans le film. Donc il va falloir se friter au Terminator, alors attention, je vais me concentrer un peu. Là, normalement, un troisième coup, il va clignoter. Et c'est là où je devrais le passer. Voilà, j'ai quelques secondes seulement pour le passer. Sinon, voilà, après, il se relève. Et on est obligé de refaire la manipulation. Pour réussir à le tuer. Voilà, que vous dire d'autre. La bande son est plutôt correcte. Ça va. Enfin, les bruitages sont pas super. Il y en a très peu. Pratiquement aucune voix digitalisée. À part un I'll be back. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Mais les musiques sont pas trop mal. Elles sont bien rythmées. On sent bien l'action. Et puis surtout, on est dans Terminator. Voilà. Clairement, s'il n'avait pas la licence, le jeu ne vaudrait que dalle. Je vous aurais même pas fait une vidéo, parce que ça vaudrait zéro. Mais là, voilà, c'est une licence, on est dans Terminator, on est content de revivre l'aventure de Kyle Reese. Voilà, c'est tout ce qui compte. Le reste à côté, c'est autre chose, parce qu'évidemment, la durée de vie, je vous l'ai dit, il y a 4 niveaux. Là, on va être donc dans le troisième niveau, dans le commissariat. Et le dernier niveau, la magnifique image digitalisée, franchement, pour la Mega Drive, ça pète. Et le dernier niveau, on se retrouvera directement dans l'usine. Hein. On va passer du... Écoutez-moi cette musique. Ah, elle est excellente, excellente, je vous l'ai dit, super bien rythmée. Ah putain, mais c'est pas possible, j'ai quand même pas crevé là. Saloperie de saloperie. Vous voyez qu'au niveau du bestiaire des ennemis, ils se sont pas trop fait chier, hein. On rencontre toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes skins. Bon, en même temps, évidemment, dans ce jeu-là, il aurait été difficile de faire des ennemis évoluer, c'est-à-dire des aliens à trois têtes, ça aurait pas... très réaliste avec le jeu, c'est sûr, mais bon, ils auraient quand même pu faire des skins différentes, même pour les flics ou pour les truands, là, pour les bandits, alors que là c'est toujours la même. Bon, ils se sont pas trop fait chier, qu'on a l'impression que le jeu il a été réalisé en une semaine, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu dommage. Le jeu est pas forcément là, donc là on est en normal, ouais, on est en normal, mais j'ai jamais vraiment vu de différence, même quand on était en difficulté. Oh putain, là j'ai pas passé, sinon il risquerait de me coincer en haut. Le plus difficile dans ce jeu, c'est si jamais on se fait coincer, voilà, on va y aller. C'est si on se fait coincer par un ennemi et par un autre derrière, là on risque de crever mais en 2 secondes sans comprendre ce qui nous arrive. Comme là en fait, vous voyez, je peux pas passer, c'est super mal foutu. Putain, c'est pas vrai. Foiré, va. Heureusement qu'il nous laisse des trucs pour se régénérer la vie, sinon ça serait vraiment, vraiment compliqué. Vous voyez que le gameplay est super évolué, hein. On se baisse, on tire avec le shotgun. Là c'est pas mal fait, regarde, le drapeau US, pas mal fait, vous voyez ce que je suis obligé de vous dire, ce que je suis obligé, les bons points que je suis obligé de dire pour ne pas vous dire que ce jeu est une bouse innommable. Regardez les nuages derrière, ils ont pas trop mal fait, hein. Oh, magnifique effet là derrière le grillage à la Mario World. Non, mais j'ai pas envie de dire du mal de ce jeu, voilà, parce que je sais pas, évidemment que c'est une merde, c'est une bouse, hein, mais je suis jamais allé à droite, hein, voyez un peu ce qu'il y a à droite.
à mon avis, on va être bloqué, mais je suis jamais allé, tiens. Généralement, je passe toujours par l'échelle. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il n'y a que dalle. Quoique, je pourrais presque tenter de tomber, là. Mais si je tombe, comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai déjà expliqué, on n'a qu'une seule vie, donc je serai obligé de tout me retaper depuis le début. Donc, je vais pas le faire. Je vais aller dire à l'échelle de tout à l'heure. Voilà, nickel. Voilà, il n'y a plus personne, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces bandits, là, les cocktails Molotov. Il m'éclate, ce jeu. Tous les niveaux ont exactement la même conception. C'est-à-dire qu'on va évoluer sur différents plans, toujours avec des échelles, vous voyez, tous les niveaux. Même le dernier, quand on sera à l'usine, il est identique. Il y a uniquement les décors qui changent. Oh putain, attention, il est là, Terminator, il est bientôt là. Alors là, attention, c'est l'une des phases difficiles du jeu. Comme dans le bar de tout à l'heure, faut le niquer trois fois pour réussir à se le faire. Voilà, je suis bien parti là. Sauf que derrière, j'ai... Oh putain, et voilà, j'ai pas pu parce que... Ah, je suis dans la merde. Comment je vais faire? Parce que derrière, le problème, c'est qu'il y a un flic derrière lui. Putain, comment je vais faire? Peut-être qu'il aura disparu, je vais tenter. Oh, putain, il est toujours là, je suis dans la merde. Oh, attention! Putain, oulolo, c'est bon. Il me reste une jauge de vie. Ça devrait aller, si je suis pas handicapé, ça devrait aller. Non! Oulolo. Ah, c'est chaud, là. C'était chaud les marrons, là. Attention à lui. Oui, que veut dire d'autre? Je ne sais pas. Le gameplay, bon, Kyle se manie assez bien, même s'il est quand même super rigide, mais je crois, voilà, ça y est, on a atteint Sarah Connor. Ouais, Kyle se manie assez bien, quoi, fait, assez bien, mais prise en main, un poil difficile, parce qu'il est, comme je dis, très rigide, il a très très peu de mouvements différents, magnifique image digitalisée, là, du T800. Voilà, on sent bien que les développeurs ont fait le minimum syndical sur ce jeu. C'est ça qui est dommage, quoi. C'est pas parce que c'est une licence qu'on est obligé de faire un jeu bâclé. Ça aurait presque pu être un bon jeu. Si on avait eu une dizaine de niveaux au lieu de 4, si on avait eu un gameplay plus évolué avec plusieurs armes, des ennemis un peu plus variés, des niveaux qui ne se ressemblent pas tous, parce que là, c'est vraiment le cas, ça aurait vraiment pu être un bon jeu. C'est dommage, quoi. C'est dommage, voilà. Gameplay est vraiment d'une pauvreté affligeante et il n'évolue pas du tout durant le jeu. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors là, on se retrouve dans l'usine. Alors là, c'est n'importe quoi parce que vous allez voir. Voilà, c'est n'importe quoi. Regardez. On est en train en fait de se friter contre Terminator. Voilà, on l'envoie valdinguer et il revient en 2 secondes d'entre les morts. Putain, mais comment je fais pour passer là déjà? Pas possible. Ah voilà, ça y est. Là, je l'ai assez touché. Regardez. Comme dans le film, il reste plus que son buste là. C'est énorme. Le pire, c'est que la première fois, je vais essayer de sauter par-dessus. Putain! Mais putain! C'est pas possible. Je sais même plus si on peut. Je me souviens même plus. Je me souviens même plus si on peut le passer comme ça. Ça va être chaud là. Je me souviens plus du tout de comment on y arrive. J'essaie de me manier. Tout ce que je sais, c'est que. Oh, putain, j'aurais pas dû sauter là. Kyle Reese, Terminated. Bon, mais voilà, c'est fini. Donc, on va s'arrêter là. C'est un jeu. Comment vous dire? Terminator sur Mega Drive, c'est une honte. Voilà. C'est une honte. C'est une licence bâclée. Comme il y en avait des paquets entiers, des brouettes à l'époque. Mais malgré tout, il y a quelque chose, l'ambiance est là, ça fait plaisir de se retrouver dans Terminator. Voilà, on peut trouver du plaisir dans ce jeu, à condition évidemment d'avoir adoré le film dont il est inspiré, sinon je vous dis, c'est vraiment pas la peine. Voilà, on va s'arrêter là, et à l'époque, le jeu coûtait 450 balles, je peux vous dire que mettre 450 balles là-dedans, on avait les grosses bouboules, là, frère, on l'avait mauvaise, attention, hein. Allez, on s'arrête là. Donc, mais je vous dis bye bye, et I'll be back.